Bienvenue dans ces magazines Table de réflexion. Aujourd'hui, on a reçu honorable Serge Mayamba. C'est avec lui qu'on va parler un tout petit peu de sa vie politique. On va parler bien évidemment de ce qui concerne l'expulsion de nos compatriotes au Congo-Brazzaville. Et c'est avec honorable Serge Mayamba qui est notre invité d'aujourd'hui. Honorable, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Voilà, d'emblée de chez honorable, parle-nous un tout petit peu de votre carrière politique. Qui est Serge Mayamba? En tout cas, expliquez un tout petit peu à la population congolaise qui vous suit maintenant dans notre émission Table des réflexions. Oui, merci beaucoup. Je sais qu'il n'est pas toujours aisé de parler de soi-même. Et surtout, il n'est pas aisé de parler de ce que l'on est ou de ce que l'on fait en si peu de temps. Mais je crois que, comme qui dirait, je suis le fils de mon père et de ma mère. Je suis le fils du Congo, donc la République démocratique du Congo. Pour ce qui est de ma carrière politique, il faut dire que j'ai eu du penchant pour la politique depuis l'école. Mes amis avec qui j'ai partagé les bons moments à l'école le savent, et puis cela m'a poussé à conforter cette position au niveau de l'université où j'ai eu un engagement, pas vraiment en faveur de la politique, mais en faveur de la défense des droits des autres. J'ai toujours été tenté d'être le porte-voix des autres, c'est ce que j'ai toujours fait. Et cela a conduit à ce que certains regards politiques puissent être fixés sur moi. Et c'est comme ça que, naturellement, je me suis orienté vers le parti qui avait la charge de la défense des intérêts de la population congolaise. La charge de la défense au principal, bien sûr, parce que il y avait également d'autres partis, d'autres mouvements et d'autres personnalités. Donc, après l'université, ou disons pendant que j'étais encore à l'université, j'ai eu des responsabilités au sein de l'UDPS, et ce sont ces responsabilités qui ont fait que je sois à ce jour député élu sur la liste de ce parti. Voilà ce que je peux dire brièvement. Donc, j'ai fait mes études ici à Kinshasa. Je suis un natif d'un coin considéré comme reculé de la capitale. Je suis de la Tchangou, particulièrement de Kimbanseke, un jeune bébé né dans la commune de Njili à l'hôpital Maman Mobutu, qu'on appelle communément hôpital et à quartier 7 dans Njili. Donc au fait, je suis de la Tchangou, c'est là que j'ai étudié, j'ai fait mes études primaires à l'école primaire 1, salutiste de Kimbanseke. Je suis allé aussi au Viluka, qui venait de fêter ses 35 ans d'âge. J'ai fait l'Athénée de la Victoire, où j'ai obtenu mon diplôme d'État après un bref passage à l'ITC Kalamu. Donc, puis c'était l'université de Kinshasa. Donc bref, je ne définis pas véritablement ma vie par rapport à la politique, mais mon action, je la situe beaucoup plus, comme je dis au début, par rapport à la défense des intérêts des autres. Donc je joue toujours ce rôle là de porte-voix. Voilà, merci beaucoup honorable Serge Mayamba. Aujourd'hui vous êtes député national. En tout cas, il y a une confusion qui passe dans le tête du Congolais, pour ne pas dire des Kinois en particulier. Quel est le rôle d'un député? Est-ce que c'est justement contrôler l'action du gouvernement, ou bien voter tout simplement des lois, ou bien descendre sur terrain, poser des actes de charité, construire des ponts? Parce qu'il faut qu'on se le dise, à Kinshasa, si un député ne construit pas de pont, vous risquerez qu'on puisse vous dire que vous ne méritez pas d'être un député. Expliquez d'abord tous les Kinois, tous les Congolais qui vous suivent maintenant, le rôle d'un député, justement, c'est quoi? Oui, merci beaucoup. Le rôle d'un député national, ou disons d'un député national, comme je le suis, est à rechercher dans les principes de séparation de pouvoir,
dans le fonctionnement de l'État. Vous savez que dans tout État de droit moderne, il existe un pouvoir exécutif, un pouvoir judiciaire et il existe un pouvoir législatif. Si le pouvoir exécutif a pour rôle justement d'exécuter les lois dans leur sens large, qui émanent du législatif, qui lui a pour rôle de légiférer, c'est-à-dire de faire de lois, il y a également les judiciaires qui lui suit justement la conformité des comportements des citoyens par rapport au rôle joué par les deux précédents organes. Il y a le législatif qui fait les lois, l'exécutif qui les exécute, et à travers l'exécutif, il faut retrouver la population. Et le judiciaire est là pour intervenir chaque fois qu'il y a une atteinte justement à toutes ces lois. Comme je l'ai dit, donc le législatif dont je suis membre ici chez nous a pour rôle de légiférer, c'est-à-dire élaborer de lois, faire de lois dans le langage courant, mais également de contrôler l'action du gouvernement, sinon des gouvernants, parce que ce contrôle-là ne concerne pas uniquement les membres du gouvernement. Il y a également le contrôle de tous les gestionnaires de l'appareil étatique à leurs différents niveaux. Donc, c'est pour cette raison d'ailleurs que lorsque vous lisez la Constitution de la République et le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, par exemple, vous y retrouvez les différents modes de contrôle, ce qu'on appelle le contrôle parlementaire. Les députés, pour contrôler les gestionnaires, agissent par voie de questions orales, avec ou sans débat, vous avez la voie de questions écrites, vous avez l'interpellation. Donc, il y a tous ces mécanismes institués qui constituent les moyens par lesquels le député est appelé à contrôler ce qu'il gère. Quant à l'autre aspect lié, par exemple, aux dons, à la construction de ponts, il faut dire que ce n'est pas ça le rôle d'un député. Parce que si la construction d'un pont vise pour objectif l'amélioration des conditions sociales de la population, il s'agit là d'une action d'intérêt général qui est de la compétence et de ceux qui gèrent. C'est pour cette raison que dans un gouvernement, vous avez par exemple un ministère qui peut être chargé de la construction, de la reconstruction ou des infrastructures. Donc c'est à ce ministère-là, à travers bien sûr ses autres organes, qui est la responsabilité de pouvoir construire des ponts en faveur des communautés. Donc, la culture du don, vous savez, cela relève également de l'ancienne gouvernance qui, pour flatter la population, qui, pour se soustraire de son rôle traditionnel, faisait recours à ce genre de moyens où il fallait que le gestionnaire politique se présente comme un père de famille qui venait nourrir les gens. Non. Moi, je pense que la réalisation des grands ouvrages et même plusieurs actions comme par exemple les dons et de la compétence de ceux qui gèrent. Comme j'ai dit tout à l'heure, si en matière de santé, la République dispose d'un ministère de la santé, il est donc de la responsabilité de ce ministère de répondre aux problèmes sanitaires qui se posent dans la population. S'il y a un ministère chargé de l'environnement, il revient à ce ministère de répondre aux problèmes environnementaux qui sont dans l'intérêt de la population. Donc il ne revient pas à un député de pouvoir agir dans ce sens. C'est pour cette raison d'ailleurs qu'il y a pas mal de propositions qui sont en train d'être faites actuellement pour que nous puissions rejoindre d'autres États qui interdisent par exemple ce genre de comportement, surtout pendant la période qui précède la campagne électorale. Parce qu'il s'agit là généralement des comportements flatteurs. Quelqu'un qui n'a pas de bon contact avec la population, quelqu'un qui n'a pas d'ancrage dans la population, cherche à lire véritablement les besoins sociaux vitaux de cette population pour venir la tromper. La preuve, c'est que même ceux qui ont eu à construire un pont une ou deux fois ne reviennent pas pour continuer ce travail, justement parce que cela ne rentrait pas dans le cadre de leurs prérogatives et ils ne disposent pas d'autant de moyens pour faire ce travail de manière permanente. Donc je crois que là, il s'agit généralement des abus
que nous devons dénoncer, condamner et interdire, parce que ça empêche également aux Congolais de bénéficier des mêmes chances dans la population. Parce que vous savez, dans un contexte de pauvreté et de misère comme le nôtre, il est facile pour une population de croire qu'elle est aimée par quelqu'un qui vient jeter un pont sur une rivière où le passage était difficile. Il est facile pour la population de croire que c'est lui qui vient lui donner à manger aujourd'hui l'aime. Et pourtant, il peut s'agir là tout simplement d'un appât, d'un moyen utilisé par ces acteurs politiques ou sociaux, justement pour bénéficier de la confiance de la population qu'ils vont oublier après avoir reçu le mandat. Voilà. Voilà, honorable Serge Mayamba, merci pour l'éclaircissement. Je pense que tous les Congolais, les Kino qui nous suivent, ils viennent d'attendre ou bien d'écouter quel est le rôle d'un député. Ce n'est pas seulement de construire des ponts, mais il y a d'autres choses que l'honorable vient de nous éclaircir. Honorable Serge Mayamba, tout au long de votre quinquennat au service de la population, honorable, combien de lois comptez-vous faire voter pour justement l'intérêt des électeurs? Oui, merci beaucoup, puisque nous démarrons dans cette question de l'action des députés. Il faut dire que parmi les moyens de contrôle dont j'avais parlé, j'avais oublié ce qu'on appelle la question d'actualité. C'est-à-dire, lorsqu'un problème vient de se poser, il est aussi de la responsabilité d'un député national d'inviter le gestionnaire du secteur concerné par cette question de pouvoir s'expliquer devant la représentation nationale, à travers elle, donc, la population sur cette question donnée. Je crois que les détails sur la quintessence de tous ces mécanismes de contrôle parlementaire feront peut-être l'objet d'une autre émission, mais voilà en liminaire les mécanismes de contrôle. Alors par rapport à mon mandat, bon, il faut dire que je n'ai pas encore totalisé 5 ans, mais je crois que pendant ce mandat, je préfère demeurer dans le rôle traditionnel dévolu à un député national. D'abord, pour légiférer, il faut savoir participer aux travaux parlementaires, il faut savoir participer aux missions parlementaires. Bref, il faut savoir faire le travail dévolu à un député comme la loi le prévoit. Et je crois que c'est dans ce sens-là que je suis en train de travailler. Bien sûr, en reconnaissant ne pas obtenir la totalité de tout ce que je recherche, mais en tout état de cause, je demeure dans la défense des intérêts de la population et dans l'action me permettant de jouer véritablement mon rôle par rapport aussi à toutes les promesses que j'ai eues personnellement à faire à la population avant les élections. Voilà, merci beaucoup honorable. Honorable Serge Mayamba, dis-nous d'abord, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de penser un jour de quitter le monde politique pour aller faire justement autre chose? Oui, merci beaucoup. Je répondrai sans embâche qu'il n'existe pas d'âge pour aller à la retraite en politique, hein, surtout que ce domaine-là n'est pas régi par le code du travail. Donc, le principe, c'est que tant que les aptitudes, hein, morales, physiques, physiologiques, permettent à un homme politique d'agir, de jouer véritablement son rôle, je crois qu'il peut y demeurer. Donc aujourd'hui, dans la situation comme la mienne, étant donné que je n'ai fourni pas d'efforts pour devenir le porte-voix des gens, je considère toujours que j'ai reçu une mission que je suis appelé à accomplir, et cette mission s'arrêtera avec l'arrêt des aptitudes que Dieu m'a données. Le jour où je ne serai plus capable de marcher, où je ne serai plus capable de parler, où je ne serai plus capable de comprendre les choses, je crois que je serai par conséquent dans l'incapacité de faire la politique. Mais tant que j'aurai encore ce souffle, tant que Dieu me permettra encore de comprendre ce qui se passe dans ma communauté et de faire quelque chose en faveur de cette communauté, je crois que j'agirai. Et moi, je voudrais que le monde politique soit aussi comprise de cette façon-là, même si dans le commun des mortels, il y a quand même certains commentaires qui se font par rapport à l'âge des gens. Mais moi, j'ai toujours demandé aux Congolaises et Congolais de faire un distinguo entre un travail mécanique qui dépend généralement du code du travail et un travail qui naturellement dépend des aptitudes naturelles
des individus. Et je crois que c'est la réponse que je peux donner, tout en reconnaissant, bien sûr, qu'il sera aussi de notre responsabilité d'agir, comme j'ai dit tout à l'heure, par rapport aux aptitudes. Je ne m'efforcerai pas à être député national au moment où ma tête ne le permettra pas. Ça, je ne ferai pas. Je ne me permettrai pas de chercher à être, grand responsable militaire au moment où je serai incapable de porter une arme. Mais je crois que tant que les aspects que j'ai évoqués tout à l'heure le permettront, je demeurerai dans la défense des intérêts de mes contemporains. Voilà, honorable Serge Mayamba, merci beaucoup. Au Lobano, bien, au Pesaba réponse, bien. Ndenge kaka, bainyos balandara table de réflexion balingaka. Voilà, honorable Premier ministre, Nabisomata Tampogno, Aotchoko Kisa 10 ans, en tout cas, Moutounio, soit Pesia Vinaye, selon Yé. Honorable Serge Mayamba, admettons que Zala Kisiko Moulaki, si professeur, Ongo Pesa Premier ministre, combien? Oui, merci beaucoup. Vous savez, le monde politique, kotakayango en termes mathématiques, je crois que bato basali ba science politique, yebi. Le monde politique, kotakayango ndengwanate, parce qu'il n'y a pas d'exactitude en politique. Mais il existe des critères sur lesquels on se fonde pour nako apprécier action oyo motozai kosa na politique pour porter un jugement. En ce qui concerne le gouvernement Matata, je crois que Bissonion saute lundi par commentaire. Il y a des gens qui estiment que Matata sali est loco mon côté. Il y en a qui estiment que vraiment sali est fort. Mais moi, je note quelque chose où je sais que tiré par conséquence Nango. Je note que le gouvernement Matata est tiamaki dans un contexte particulier. Contexte où on a exigé qui n'a pas acteur Nango un comportement particulier. Et en même temps, il y avait dans le chef de la population des attentes liées surtout aux promesses qui lui ont été aussi faites. N'oubliez pas que lors il y a prise il y a pouvoir naïe, le président Kabila avait promis de faire de son mandat un mandat fondé sur l'amélioration des conditions sociales. Donc le gouvernement Matata, en prenant également commande Yamboka, et Zalaki n'a obligation yako s'inscrire na voie wana. Mais qu'est-ce que nous entendons par conditions sociales? Conditions sociales, les alibas conditions, oyo, les alibas co-entouré moto, na bomoinaye, ya mikolo, na mikolo. Alors, na eloko wana tokotuna, est-ce que loko la ngayi, na circonscription loko la yangayi na tchangu, ba attente ya population, les alibas nini? Na tchangu tozali koze la courant, na tchangu tozali koze la maï, na tchangu tozali kozela nzela, parce que lelo soko koti lokola nanjili okomona ke banzela ezalite esika oyo bameki kosala mwa misala wana ezali vraiment na rythme moko oyo koki kosouetete et ça date de plusieurs années et il y a plusieurs coins de njili où eza na accepté lelo po kota quartier 1 okende njili brasserie tio matabansanda okota bamboka mususu etali baba Congo omona kinzela ezate lelo soki okoti njili par le boulevard Kimbuta omona que déjà po zo boulevard Kimbuta parti ya boulevard Lumumba il y a des petits problèmes moi tronçon za mala musuka na rompo ya benga kaya mangobo mais po koma Sainte Thérèse ça pose problème po le ka devant district nanjili na quartier 7 et ça na problème. Donc par rapport à ça, en tant que député Yachang aussi, je dois porter un jugement, à reporter en gros par rapport à l'attente de la population. Lelo Tangozali, par exemple, na marché à liberté, pour Kota Okendemasi, Nati Kote Abakeri, Makile de Marie, Okomati Narai, ça pose problème. Même Mansorozana Masi, Nana Bekatef. Alors, pour Nawana, ngai jugement na ngai na kosala ezali ya kosenga na ba gestionnaire ba répondre na ba besoin ya population parce que lelo na kimbanse ke courant ezali te na mwa ba kwa muke oyo courant ezali e yaka ya bongo bongo pengo nganyo sote. Donc lelo ngai en tant que député national élu à circonscription lokola Tchangu ce qui na me permettre ya koloba ke non situation ya population ezali malamu na kobeta lokuta mais en même temps je peux constater également que
il y a des actions qui ont été menées dans le sens ya koluka amélioration ya population. J'ai dit tout à l'heure que soko enanjili lo mona moi misa les omega salama tozo mona moi banjin mais au salama rythme et ko permettre population à applaudir te. J'ai salué une fois l'action du premier ministre na mona ki na makambu ya ba réhabilitation à ba école et lo kongai na ko senga ezali ba action na eya ebele. Parce que ndenga sala ki école lo na changu na mona ki epe mvundu. Honorable, maintenant na sisité azaka kana 2 ans. Si ko na 2 ans yo lo pesier combien quand non, même. Justement, ngai na za ko pesa ba élément o ko permettre biso to apprécier. Oui, to ko ko réfléchir en termes mathématiques te. Parce que lelo na ko ko lo ba 2 sur 10. Il faut na justifier 2 wana. Eza ko un examen. Professeur ko pesa mona 8 sur 10, te ka ko mi 8 sur 10. Faut la que sa réponse eza mala professeur ya mabe. Moi en tant que député national, je préfère faire attirer l'attention y a gouvernement sur ba besoin y a circonscription d'Angaï pour dire à ce gouvernement que les longs na koyiko zale la yo favorable mais y a pas que ceux qui au répondre na ba besoin y a population à circonscription d'Angaï té donc côte na yo et pas y a population wana et kozala y a malongaté parce que na rôle tozali na yango lorsque nous parlons de contrôle et zalipé attirer attention y a bas gestionnaire. C'est pour cette raison mon arabiso to instauraka dialogue. Moi je voudrais par exemple qu'à l'issue de cette émission un membre du gouvernement m'appelle pour dire oui honorable ngai nazali ministre ya énergie. J'ai appris que na changu courant ezalité alors que ngai mikoleleki na sengaki na snel abimisaba transformateur. Viens m'expliquer par exemple. Ngai na okendogo mona na romu ni que non sur ce qui une quarantaine ya ba quartier ya commune ya Kimbanseke, ezane sika batu ba mona ki cabine à courante. Je vais donner un exemple. Les lotans aux ana boulevard Lumumba par exemple, après maison à partir à maison communale ya Kimbanseke. Soko koti na kati, ba quartier loko la bangampani. Soko ki na ba quartier wana okuta courant zalité. Alors que ba espace ezali ya minene oyo ba koki même ko installer ba cabine ya courant loko la ba école Kimbangiste za kuna ba koti ba cabine à courant kuna. Mais ngasi ko il faut na loba pona ko attirer attention ya ba tuba général parce que ce qui se passe généralement ezalaka moto azana décision ya likolo akokoza la orienta baki bosale loko boe mais batu mususu basali yangote c'est pourquoi on moni na ko yiko répondre en termes mathématiques te il faut na lobela plutôt makambo eza ko se poser na kati kuna po batu na ba yebani ezali ko salam lelo soko lobi nga likambo ya mai na pecho exemple ya quartier ngampani mai ezalite ozi toza nanu kana commune ya Kimbanseke lelo soko ozui tant aussi si commune Anjili à partir y a Dokolo, ce qui opousse ni moi moqué ou l'équi hôpital Kimbangiste, aux hommes à moi semblant un courant comme nous avons dit tout à l'heure, courant on pesait à Malongate. Ma partie aux Obanda Wendi Angando, ti ok ina likolo Kimbanse que cimetière, aux ana électricité te, bah maïez ala rakuna, bah tio kutu bat balongola là-bas, parce que comment ils coupent ça batuma baku batu bazozoka, ça ne sert à rien. Donc ce sont ces informations là où il faut apporter la connaissance y a bah gestionnaire, pour bango moko bah ce côté. Mouni, mais je note ceci, je note que ce qui va être engagé dialogue, n'abissons misal na bango ko avancer parce que nous nous sommes les hommes de terrain, tout yebi réalité aux populations et ko vivre, il faut des bayo kaka biso, na lobi vraiment il faut bayo kaka biso parce que biso to ko permettre bango ba kenda liboso. Lelonga ye en tant que député national et Sengonanga ezali na lobaki tout à l'heure à propos ya ba réhabilitation ya ba école, na mouni premier ministre ninga kei na quelques écoles ya Changu. Na lobby a sali malamu. Mais en même temps, je dis aussi que c'est pas suffisant. Donc, s'il est en mesure, il y a que ça la plus, a ça la yango. Na beti ma solo ya courant. Na lingi lobby, dialogue ezala. Na ba responsable ya snel. Ba ibsanga bon, voilà, honorable. Projet na pseza boe 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 trotan deni toko améliorer. Na lingi dialogue ezala. Na ba responsable ya régie des eaux. Parce que je voudrais sortir d'une tendance. Oyo ezali, mingi mingi nambo kanabiso. Vous avez quelqu'un qui accuse, vous avez un autre qui se défend. Yango moni e panabiso souvent dialogue et koufara parce que moto azo géré soro zolo bela makambo o yaza ko sala en le cotant a monara toujours neti oza contre et pourtant le travail que nous faisons eza ko obligé biso to collaborer ngai en tant que député quelle que soit appartenance politique ngai j'ai l'obligation politique de collaborer avec ces gens-là pour ba répondre na ba problème ngai o ezali problème ya population ngai je note que depuis un temps na commune Yanjili par exemple na quartier toi ce qui mbula ebeti mai koma ko tonda alors que commune on ezaki commune ya malamu donc lelo elo ko nini to ko sala ya ko benga ba ya ko tala ko tala nini ba ko ko sala ko curer ba ka niveau ezala kana ba quartier 4 ba quartier 3 pour condition Yanjili ezala malamu je note que ba terrain na bisu ya football lokola ya ba Sainte Thérèse ba terrain ya ba Epom ba terrain on ezako beba parce que ba condition encadrement ezate j'ai appris
qu'il y a un projet, il y a construction d'un stadium ou d'un stade, un espace Sainte-Thérèse Nanjili. J'ai dit c'est une bonne idée, mais il faut bisotoyer bako suivre yango en tant que élu ya ba esikawana potoyer ba comment orienter population. Je note également que na masina lokola na mapela ba condition est bien té ma isaï ko tonde la batou courant ezalité. Je note aussi qu'il y a insécurité à la Changu ba bandi à mer mais bazali ko tungi sabato. Donc par rapport à tout ça, moi je voudrais que ma gestionnaire bango moko ba mi côté parce que ceux qui ngana à côté bango parlo ba non ces députés là comme il est de l'opposition nion sont ça les alliés à mabé mais naza ko sala bango un état des lieux pour bango ba loba ce qu'il en est ba ce côté bango moko. Voilà. Voilà, bande qu'on a besoin machine Nanjili partout place honorable à Tanga. J'espère que na muté ma boboto premier ministre Sozala Nango barossa la kaka de kakiza la kaka. Et Bongi, vraiment que ça la isa malamu parce que il y a un côté positif que je note, ça je préfère le dire. Il y a vraiment un côté positif au ngai et c'est pile sarangai na gouvernement matata. J'ai dit c'est le côté scientifique. J'ai remarqué que avec ce gouvernement, on a essayé de scientifiser le fonctionnement à l'État. Ou aux Akokuta, pour chaque réunion, pour chaque conseil des ministres, un ministre n'a moins phare de naïe, il défend. Au fait, les Akozongi s'abissent n'a moins école. Je me dis, ce qui va être fort et salami mingi dans Dengewana, politique et kozoa coloration, et comment il échappe. Je donne un cas. Moi, j'ai eu à discuter à plusieurs reprises avec le ministre actuel et à transport. J'ai noté qu'il y avait cette tendance na kolobela makamuna ndenge singeli et il y a eu quelques réalisations notamment l'instauration avec biloko ya babus ya ba esprit de vie comme il le dit pour remplacer les engins de la mort que nous avons. Donc c'est pourquoi j'ai dit soki dialogue ezali neto komona amélioration et kozala na makambo tozali kosala. Donc je note également que nous avons eu à mener plusieurs actions avec le ministre de l'économie aussi, mais qui malheureusement a été, je le note, trahi dans son action parce que tout le monde a été continué, justement parce que personnellement je n'ai pas été écouté sur ce que j'ai appelé la réhabilitation, il y a fonction, il y a bah, inspecteur économique. Moi j'avais demandé à ce que bah, inspecteur économique base à la terrain, bah, veiller à comportement. Il y a bah, gens économiques nyonso pour emeka ko consolider action oyo gouvernement azali ko initier. Donc voilà style oyo je n'ai préféré ko adopter pour que l'information dont je dispose arrive à qui de toi pour que celui-là se décide et sache surtout comment agir au lieu de porter des jugements oyo généralement et kabolarabiso alors qu'il arrive souvent tolo baelo ko moko pe tolo baelo ko ya malam. Voilà, merci beaucoup, honorable Serge Mayamba. Actualité Zali Soussou, bande konabiso oyo, bauti ko refoulé, c'est au Tiabongo, ko refoulé na Congo Brazzaville, le loyo baza, bazo vivre vraiment ba situation moko, hein, inhumaine, c'est au lobito loba, et bazo vivre bien te, et puis façon OP, ba bengane li bango, na Congo Brazzaville bisonyoso bana Congo Kinshasa to sepelite honorable yomolobeli abato okoloba nini pona population wana kaka ndenge na lobeli en ce qui concerne le gouvernement jugement nanga ekozala mbala moko tranchanté na lina partir na ba principe na ba fait ce qui totangi na déclaration universel et à droit de l'homme, balobi que la personne, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Et principe wana est consacré dans la constitution, na bisopé na ba texte mingi o est lié na ba droit civil et politique. C'est pour cette raison que Romain a par exemple na ba constitution balobi la personne humaine est sacrée. L'État a le devoir ou l'obligation de la protéger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la race humaine est la race oyo ebongi bato ba porter en angle considération moko positive. Moto azali et loko yo il faut qu'on protège. Alors, na ko protéja ka moto, il faut qu'on sala yango même lorsqu'il s'agit de la défense ya ba droit na yo. C'est pour cette raison qu'au moni qu'il existe un accord entre Mboka na biso, Congo Brazza, na République ya Angola, oyo et lobby que lorsqu'une république est se décider ya kuzongi sa ba Mboka moko na Mboka na bango, il faut toujours ba informer gouvernement yambo kawana peut prendre ba disposition au isa des natures ya ko respecter bo moto ya bato.
partant, il y a moi biloko wana na lobby, nous allons noter avec regret ce que nous constatons que na situation ya babengi expulsion ya ba congolais ya Kinshasa na Congo Brazza, respect ya ba principe wana ezala kité. Ba congolais ya Brazza ba bosani ki toza ba tutokokana na ba droit, ba bosani ki personne humaine aza sacré. Or to monaki on a désacralisé la personne humaine parce que traitement oyo ba infligé na bande ko na biso ezali traitement ya mabé même lorsqu'une personne est en situation irrégulière. Et d'ailleurs, tout à l'heure, par exemple, dans ma cambo italie justice, à tabaza qu'on poursuivre moutou, mais en principe, moko balobaka ya présomption d'innocence. Balobaka, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit un jugement définitif. Principe, on est à principe, on est à s'attacher. Et a fortiori, lorsqu'il s'agit d'un mouto aza établi dans Mboka Moko régulièrement, na Congo Brazzato, monaki, alors qu'on a prétendu que Bazo Bengana Bato Baza na situation irrégulière, toi qui comment que même mouto azali na résidence moko régulière, aza kutukuna bamboula ebele a rendaka ba service ya malonga ba bengana ki bango. Et non seulement que ba bengani kaka, mais ba bengani en faisant recours na ba méthode moko violente. Nous avons vu, on a tué les gens. Précédemment, il y a eu un appel à chef Yann. Amener Bisso Awa pour saisir la justice, surtout internationale, où ils ont une charge, il y a répression, il y a un crime contre l'humanité. Nakati a un crime contre l'humanité, on a tomoni comment est-ce que des citoyennes, il y a République Nabisso, certaines d'âge avancé, Bazala qui violé par des éléments portant, tenu, il y a garde république présidentielle, il y a Congo Brazza. Donc nous disons que c'est des gens d'actes que nous ne pouvons pas accepter parce que Ezali ko déstabiliser Bissot. Alors que Tozali ba peuple auto vivra tout le temps ensemble. Il faut toi ba ko privilégier dialogue. Même lorsque citoyen moko ya mboka moko moko akoyi na mbeba, traitement na ye est respecté ba droit na ye pour e servir de leçon na ba tumusus. Momoni lelo na makambo bande ko ya Congo Brazza basali. Même moto azaki na situation ya mabe na Congo Brazza, et ça difficile lelo batuba landele parce que batuba komi plus kota la mabe oyo salami. Alors que je reconnais que certains problèmes posés par ba population ya Congo Brazza, et ça ba problème réel. Nous même ici nous arrive de nous faire de reproches et ces comportements, et ça peut ba comportement oyo za réprimé awa. Na pesi exemple moko. Na Congo Brazza ba lobi ke ba jeune o ba ko sala kuluna awa ba traversa ki ba kende ki Brazza pe ba banda ki makambo wana mutu moko te akoki ko accepter sécurité ya bana ya Congo Brazza ezala mise en péril. La preuve awa biso, nous avons salué l'opération Likofi ezala ki ko réprimer opération kuluna, mais en même temps je fais également remarquer que opération tobengara phénomène kuluna awa et où t'en as Congo Brazza, parce que c'est au Congo Brazza qu'il y avait des milices à l'époque. Il y a guerre entre président Sassou, président Lissouba, Tomonaki Batata Ntoumi, Naba dirigeant politique et belé. Et nombre de ces jeunes là, oyo bakimara Congo Brazza, bayaka Kinshasa, basangana ki naba jeune awa dans cette folie là, et lokwane kota ki naba jeunesse ya bamboka mibale. Donc, ba jeune mingi obazonga ki Congo Brazza, c'est que les gens ignorent, c'est des jeunes qui avaient œuvré naba milice ya Congo Brazza, ba lukai karabazongi la babizaleli na bango. Donc, lelo. Pour mettre un terme à comportement wana eza iloko ya malam, mais iloko ba ne kona biso ya Congo Brazza bonga ki basala bonga ki basala la part des choses entre bateau yo bazo sala banditisme na bateau yo bazali na kimia, entre bateau yo bafandi irrégulièrement o bazali ko mettre en danger sécurité à Congo Brazza et par conséquent notre propre sécurité, parce que n'oublions pas que ba groupe wana et ko yiko s'organiser kuna pona ko déstabiliser gouvernement à Congo Brazza tout comme pona ko déstabiliser gouvernement na biso. Mais ce que nous condamnons et nous n'accepterons pas ezali ndenge oyo bango ba ko se comporter, parce que non seulement ke ba bosani bondeko oyo eliaka biso, mais ba sali makambo oyo elakisi ke bango bazana bango na tina ya batote, alors que biso wa tozali pe na babiloko oyo tosalaka oyo ezalaka profitable na bandeko ya Congo Brazza. Ozomona, c'est également l'occasion pour moi d'attirer l'attention des gestionnaires pour dire que
parce que tozako gérer bamboka na biso mabe parce que bandeko o non so bazali ko ndima lelo akende na ye na braza ape pakata wese c'est parce que awa na mboka ta mso aza essoufflé ba condition ezali mabe et c'est pourquoi moi j'insiste sur l'amélioration des conditions sociales et la population ndenge na lobaki oyo eko constituer meilleur moyen pour nangai pour na ko apprécier action ya gouvernement. OK, merci beaucoup. Vraiment la souka et ma solo na biso honorable. Donc comment je peux dire, dans un mot, idole na yo na monde politique congolaise et zaranani? Oui, merci beaucoup. Bon, je ne parlerai pas des idoles pour ne pas être tenté à Rokota dans le monde des arts. Ouais. Mais il faut dire qu'ici sur cette terre, Ndenge Tobo Tamaka, pour quelqu'un qui a une certaine vision de la vie, il existe ce qu'on appelle des modèles. Et ben modèle, ben définit Sarabango par rapport à période, na par rapport à action. Hein, d'abord, sur le plan spirituel, il faut dire qu'il y a le grand maître Jésus-Christ, Wana Azali, Azali modèle, il y a ba modèle. Et puis sur le plan politique, il y a beaucoup de gens, Oyoba Action, Bango Ngaï et Merveille Ngaï. Je peux parler du Mahatma Gandhi, je parlerai de Martin Luther King, dont le combat m'a beaucoup inspiré. Il y a quelqu'un qui a tenu face à l'oppression, je parlerai de Nelson Mandela. Madiba, ici chez nous dans le combat pour la recherche de la démocratisation du pays, nous avons le président Étienne Tshisekedi dont l'engagement a démontré que lorsqu'on est décidé, on peut atteindre des grands objectifs. Donc Bato Bazali moi et Bélé à travers la planète, chacun suivant sa génération et Kwenae Oyo à Jisaki. Mais considérer une seule personne et vous avez une très mauvaise tendance parce que je crois que Namisala Tosalaka, Topuizaka, Nabe expérience, Yabatu Ebele. C'est pourquoi je me suis abstenu de parler d'idole. Parce qu'il faut dire qu'en politique aujourd'hui, nous avons parfois des gens Oyo Tokopiaka, Bizale Nabango, Tuesale Nabango, Atabouza Nabango, ma famille politique, de mon côté. Donc ça arrive. C'est pourquoi moi une réponse nanga, je n'ai pas voulu être tenté ya rotanga mutu boyeboye pour réponse nanga ezwa directement connotation moko politique té. Mais moi je dis chacun de nous doit avoir ce qu'on appelle des maîtres inspirateurs. Lelo mutu moko rotunaye mais yo sala mécanique pour na lo banon tam susu na monaka batu boye na monaka batu boye. Donc je viens de te citer quelques acteurs. Oyo nabaction nabango na zakasuki na fandi na tel. Non, je peux puiser quelque chose na mutuboye. Combat par exemple pour la non-violence, je crois que le Mahatma Gandhi l'a démontré. Combat pour l'émancipation, Tomona Ndenge, Martin Luther King à Saliango avec le soutien à Batwe Bele. On nous a parlé à ba mama Lokola Barosa Park. Tant que tanga ba histoire na bango, toye ba ka Ndenge ba agissa. Ici au pays, il y a tous ces pères fondateurs. Il y a parti le rôle à UDPS, Oyo Basangajaka. J'ai cité le nom du président Tshisekedi parce que c'est lui qui est l'incarnation de ce combat. Mais j'ai du respect pour tous ceux, Oyo Babunda, qui pour les lotos, comme Arobé Tamasolé, à politique librement. Donc, Batouana, le rôle à Baza est belé. Moi, Narotanga Bango est athée. Voilà pourquoi j'ai dit il faut repérer les alliés. C'est pour cette raison aussi que nous combattons aux salaires à politique. Nous sommes en train de nous battre pour que notre République est Zonga. Na notion ya ba repère to ya ba modèle, il faut que chaque acteur politique na action toza ko mené to lukaka to constituer une référence positive pour na bato baza sima na biso. Voilà honorable bato bayokio et monsieur Sili, un mot de la fin pour la population onyo so balandio. Mot de la fin ezali na puisé yango na intitulé à émission na yo le baki émission ezali table de réflexion. Batumingi bakoloba mais honorable tout monde qui a ça pour répondre était non na linga qui n'a se conformer na intitulé à émission na yo, c'est-à-dire tant toza ko salaka makambo ya mboka tout éviter parfois ba émotion tout éviter ce qu'on appelle parfois des réactions épidermiques tout zo ka tant ya ko réfléchir pour tout ba ko circonscrire makambo toza ko sala pour ceux qui to circonscrire makambo toza ko sala to déterminer ba besoin pétrouiller ba ko tomber na ba vraie solution pour na makambo ezako se poser. Donc le mot de la fin, moi je vous encourage à continuer la émission na bandenge oyo ba inviter au baroya kaka simanangai ba yaka beaucoup plus pour réfléchir parce que c'est ce qui nous échappe tellement que parfois toko maramusika na makambo etali biso moko. Donc voilà et comme on dit na makambo ya ba démocratie du choc des idées jaillit la lumière, il faut émission oyo eza la occasion ya robimisaka ba idée pour que ce qui est bimi epai na epai toyeba. Koko mana esika oyo biso nyonso tolingi ko koma.
Voilà. Tokomi na suka masolo na biso to sisi na biso émission bino moboye bi table de réflexion to lobaka ka o ezali essentiel. On a chuté, mesdames, messieurs, et on avait reçu pour vous honorable Serge Mayamba. Yende tolobeli mingi mingi o etali parcours politique nae tolobeli et puis lisusu o etali bande kona biso o baso souffrir lelo oyo bazala ki expulsé na Congo Brazzaville tolobeli lisusu 2 ans il y a premier ministre na biso Matata Mponyo. J'espère que bolandi biso vraiment na bokebi nyoso to sisi na biso émission na biso. Au revoir et à la prochaine.